peut s'écouler dès qu'il subit la moindre offensive militaire, même mineure, ou alors un axe terroriste. À mon humble avis, l'armée, on y va pour deux choses. Ou je tue ou on me tue. Si on ne va pas à l'armée sur cette base-là, on est allé chercher à travailler, on est allé chercher un salaire, mais on n'y a pas été pour aller faire la guerre et défendre sa patrie, défendre la terre de ses ancêtres. Moi, je crois que la condition sine qua non, c'est d'abord vraiment la confiance en notre avenir. De nos jours, les forces armées doivent posséder une armée moderne et un entraînement miraculeux doit être dispensé aux soldats afin que le système de défense reste totalement.